Et salut à tous et à toutes, c'est Toussou d'Époque, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture, comme vous pouvez le voir juste devant vous, de 4 boosters noirs et blancs, explorateurs obscurs. Alors c'est une série qui est sortie d'ailleurs, j'ai pas regardé, mais qui est sortie il y a un bon moment. C'est sorti en 2012, hein, donc 3 ans, et déjà 3 ans, ça passe à rien vite, 3 ans que cette série est sortie. Donc ça sera pas une ouverture banale. En fait, j'ai accepté le duel de DialgaX. Hein, donc la chaîne de DialgaX sera dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bon, en fait, c'est un petit duel qu'il a mis en place avec plusieurs youtubeurs. Donc j'ai accepté, ça me dérangeait pas. Qu'il a mis en place. En fait, on ouvre la même chose. Et bon, pas forcément les mêmes illustrations, parce que moi j'avais pas la Darkrai, j'ai que deux fois Florizarre. On ouvre la même chose et celui qui a la meilleure pioche entre guillemets gagne, même si lui préfère que ce soit vous qui choisissez qui gagne, mais bon, voilà. Donc dans sa vidéo, je vous invite à aller voir. Je mettrai pas le lien de sa vidéo, je mettrai le lien de sa chaîne directement, vous irez voir, vous trouverez facilement. Il a eu une full art, voilà. Je vous le dis directement, il a eu une full art. Si je me souviens bien, il a eu Rekuex full art, peut-être la plus belle de la série. Donc clairement, j'ai pas trop de chance. Bravo à vous les gars. Enfin, je dis les gars parce qu'il est sous, il était avec, il fait souvent des vidéos avec PalkiaX, hein, son acolyte. Donc je sais pas, ils se ressemblent vachement, je trouve. Donc peut-être qu'ils sont frères, je sais pas. Bah si tu passes par là, tu me le diras. En tout cas, avec son acolyte PalkiaX, hein, ils ont fait ça ensemble et ils ont eu un Rekuex full art. Bon bah j'espère au moins avoir une petite ultra, même si c'est une petite ex. Donc j'ai eu ces petits booters. C'était sur le bon coin, mais ouais, bizarrement. J'en avais 8, hein. Je vous les ai montrés en Pokéachat, ces boosters. J'en avais 8, j'en ai revendu 4 à Nejan. Bah, si tu passes par là, Nicolas, petit coucou à toi. J'en ai revendu 4 à Nejan, qui l'ouvre en petit déj, je crois. J'ai essayé de me garder les illustrations pour moi. Lui, je lui ai envoyé 3 fois ou 4 fois la même illustration, je sais plus. Parce que j'avais, hein, c'était les 8. J'ai 3 illustrations différentes, j'avais pas de Darkrai. Sur les 8 boosters, j'avais pas de Darkrai, donc voilà. Je crois que Nicolas il a pas tout ouvert pour l'instant, Nejan, mais je crois qu'il a déjà eu une holo. Je suis pas sûr. Enfin bref, on verra bien dans ce que nous réserve ces 4 boosters. Allez, on va faire la petite présentation. Donc on a le booster Bagaïd, c'est celui que j'aime le moins personnellement. Le booster Minotaupe, Rototaupe Minotaupe, ouais, c'est ça. Et le plus beau, le booster Florizarre en 2 fois. Donc j'ai pas le Darkrai, mais ça me dérange pas plus que ça. Le dos des boosters, voilà. Pas les mêmes, donc je vous le montre, le plus beau c'est celui-là. Donc on va s'ouvrir un Florizarre au début, un à la fin, et bon écoutez, on va les ouvrir comme ça. Donc 4 petits boosters, j'ai pas fait de face opening aujourd'hui parce que bon, 4 boosters, voilà. C'est pas énorme, mais bon, j'aurais peut-être dû, mais bon, on verra bien. Oui, donc voilà, donc c'est moi qui ai choisi d'ouvrir cette série, hein, dans ce duel face à DialgaX. En fait, il m'a envoyé tout un panel de boosters qu'il avait. Et il n'y a rien qui m'intéressait. Je lui ai dit, bah finalement, moi, de toute façon, je vais bientôt ouvrir 4 boosters et explorateurs obscurs. Donc, est-ce que tu en as? Et il en avait 2, il en a racheté 2, enfin bref. Du coup, ça lui a été, donc moi, ça m'allait. Donc, c'est parti. Il faut essayer de faire mieux qu'eux. Bon, pour faire mieux, il faudrait avoir 2 ultras, donc bon. Voilà, ouais, ça a du mal à s'ouvrir, par contre. Donc, personnellement, j'y crois pas trop d'avoir 2 ultras. Mais bon, on verra bien. Hein. Qui sait, peut-être que ces boosters sur le bon coin vont être chanceux. J'espère juste qu'ils sont pas triés. C'était sur le bon coin. Le petit code, il n'y a rien longtemps que j'ai vu un code comme ça. Bon, bah, je vous les offre quand même. Hein. Vous m'envoyez un petit message privé. J'en donnerai un par personne, par contre, les explorateurs obscurs, parce que j'en ai que 4. Donc voilà. Allez, c'est parti. En tout cas, on va apprécier cette ouverture. On va prendre le temps de la savourer. Alors, on a Escargome. Ah, bah, Gigouane. Ah, c'est une carte qui a été rééditée dans le. Dans les cartes du McDonald's, oui, j'en suis sûr à 100%. Evoli, ah, également, pareil, ah, donc beaucoup de cartes du McDo par rapport à la série Explorateur Obscur, apparemment. Negapi avec le petit Posipi, là, il me semble qu'il y a l'illustration Posipi et on voit le Negapi à l'arrière, il me semble. Rototaupe, je prends mon temps parce que Explorateur Obscur, c'est pas une série que je vais rouvrir de sitôt. Loubar, Pitepol. Pyroli, waouh, super belle celle-ci. Je redécouvre la série, hein. Je l'ai complétée, mais je me souviens plus trop des cartes. Pijako, qui est en train de nous faire une petite chanson, là, on voit une petite note de musique. Waouh, en reverse, Ramolos, j'aime beaucoup ce Pokémon, qui est en train d'essayer de pêcher. Ouais. Bah, normalement, c'est un coquillasse qui va lui mordre la queue. Voilà, petit Ramolos en commune reverse, c'est derrière. Ah, dommage. Dommage, dommage. Un Bagaïd en rare. Bon, bah allez, on va continuer avec le booster, bah, justement, Bagaïd. Bon, c'est des boosters qui cotent 8 à 10 euros. Ouais. En ce moment, 8 à 10 euros.
8 à 10 euros plutôt, j'aime pas dire euros. 8 à 10 euros en ce moment. Personnellement, je les ai eu à 5 euros pièce. Voilà. Il me semble que c'était ça, 20 euros ou 18 euros. Oh, je sais plus. Ouais, on va dire 5 euros pièce. Donc, ce qui est une excellente affaire. Sauf s'ils sont triés, c'est pas une bonne affaire. Alors, Poussifeu, Chauve-Sourire, Krabicoc. Il a l'air d'être tout apeuré là. D'ailleurs, il y a le ciel qui est en train de. Ouais, des éclairs ou je ne sais quoi. Il doit avoir tout peur. Il va se mettre dans sa petite coque. Triton, il est horrible, horrible celui-là. C'est vraiment incroyable. Pyronie. Encore Loubar Pitepol. Voltali, ouais, génial. Je préfère Pyroli quand même, mais il est joli. Krabarak. Ah, je crois que c'est une rare. Je crois que je m'étais trompé. Non, c'est une peu commune. Elle a une tête de rare. Ouais, on croit une rare. D'accord. En reverse, le Vénard. Ah, dommage. Encore une commune reverse. Le Vénard est derrière. Attention. Ah oh là 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 là. J'ai pas de chance. Rouakkada en rare. Bon bah voilà. J'aime bien Rouakkada, mais c'est dommage qu'elle est pas holo. Bon, bah je sais pas si c'est trié ou pas, mais pour l'instant c'est pas fameux. Le booster Milosope. J'avais hésité à la base à de garder ces boosters pour faire des vidéos ASMR. Je crois que ça aurait été pas mal en ASMR de découvrir cette série. Puis finalement, comme j'en avais 4, comme j'en avais 4, j'ai préféré faire des vidéos comme ça. Une vidéo directement, ça change un peu des blocs XY, on en a un peu marre d'XY. Enfin, en tout cas, moi j'en ai un petit peu marre des fois. Alors, encore un petit Bakugan. D'ailleurs, il y a 108 cartes dans la série, hein. Ça me fait penser à Ciel Rugissant, le même nombre de cartes. Evoli, Negapi, ou le même booster que le premier. Bah, exactement la même chose, Rototop. Ah non, celle-là on l'avait pas. Karabing, d'accord. Aquali, yeah! Donc on a Aquali, Voltali, Pyroli. Ouais, je pense pas qu'on ait Octali et Montali. Je pense pas. Ah, peut-être, je sais pas. Aquali, super joli. Faut savoir que mon évolution préférée, c'est Noctali. Et ensuite, ce serait Pyroli. Ouais. C'est joli. On va essayer de deviner la prochaine. Ah bah, c'est une traîneur. Maille améliorée. La prochaine. Alors. Se mettre du coup de pied peut donner 10 coups par seconde. Ces cris aigus intimident l'ennemi. Une carte de type feu qui met des coups de pied. Je sais pas du tout. Vous me direz dans les commentaires si vous aviez trouvé. Ah, Galifeu. Ah oui, bah j'étais pas du tout là-dessus. Ouais, en plus, on a vu Poussifeu tout à l'heure. Donc j'aurais pu trouver. Récepteur aléatoire en peu commune reverse, hein, qu'ils avaient ensuite réédité dans Tempête Plasma en secrète. Et derrière, Minotaupe en rare. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah pas de chance du tout. Enfin, je sais pas si c'est la chance ou si c'est du tri, tout simplement. Et le dernier, allez, on fait parti. Bah, en tout cas, si c'est trié. Je demanderai à Nejan ce qu'il a eu dans ses 4 boosters. S'il a eu mieux que moi ou s'il a eu pareil. Bon, lui, il est complètement destroy. Parce que si c'est trié, parce que je sais que ce vendeur en vend un petit peu encore en ce moment, des explorateurs obscurs. J'ai voulu lui en reprendre, mais je me suis dit, je vais attendre de les ouvrir avant pour être sûr. Si j'ai 4 rares et que Nejan a eu 4 rares aussi, c'est que c'est trié et qu'il ne faut pas que j'en rachète. Un peu dommage, mais bon. C'est comme ça. Bon, bah là, pour essayer de battre Dialga X, il va falloir avoir une full art ou une secrète. Ah ouais, qu'une secrète, je pourrais gagner. Poussifeu. Tic. Oh, Bulbizarre, qu'est-ce que je l'adore lui. C'est vrai que je préfère Carapuce, mais par contre je préfère Bulbizarre à Salamèche. Ouais, j'adore Bulbizarre. De toute façon, les trois starters première génération, c'est du très haut niveau. Chauve-Sourire. Posipi. Ah voilà, je vous disais, hop, on voit derrière. Je vais la retrouver. Hop. Juste là. C'est exactement la même illustration, mais prise de différents points de vue en fait. C'est plutôt marrant. Donc Posipi. Clic. No ah, si, il y a Noctali, donc il doit y avoir Montali aussi. Noctali, yeah, elle est trop beau. Super beau ce Pokémon, je l'adore. Il est super beau. J'adore ce Pokémon, d'ailleurs je suis toujours à la recherche du Noctali holographique de Neo Discovery. J'arrive pas à le trouver en neuf. Sorboule. En reverse, Tritonde en commune reverse. Et derrière, croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. Megavolt en rare, yeah. Bon, bah, c'est pas terrible tout ça, hein. C'est même pas terrible du tout. Bon, bah, pas de récap, hein. Je peux pas vous montrer grand chose, hein. Je vais vous remontrer un peu ce qu'on a eu vite fait, mais. C'est vraiment pas fameux. Bon, clairement, je pense que les boosters sont triés. Bon, c'est pas méchant, je sais juste que j'en rachèterai pas. Donc, en rare, on a eu Megavolt, Minotaupe, Rouakkada et Bagaïd. J'aurais bien aimé avoir une holo quand même. Au moins pour vous remontrer l'holographisme de l'époque. Et en reverse, on a eu Tritonde, Récepteur aléatoire, et le Vénard, et Ramolos. Et en plus, on a eu
que des communes reverse. Enfin, sauf le trainer, c'est une peu commune. Mais bon, le trainer, c'est que les peaux communes. Donc voilà, je vais vous mettre les petits rares ici, quand même, histoire de, même si c'est pas fameux, mais bon, on fait avec. Donc faire attention à ce qu'on achète, mais bon, c'est pour ça que j'achète jamais en grosse quantité quand je suis pas sûr. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, bah clairement, hein, vous pouvez dire dans les commentaires si j'ai gagné ou si c'est Diagaïs qui a gagné. Bon, clairement, hein, soyez de bonne foi, hein, il a eu Reku avec Soul Art. Donc, franchement, moi, je m'estime avoir perdu, mais bon, vous pouvez voter pour moi quand même, vous avez le droit. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ce genre de défi, hein, j'en referai certainement pas, ou sauf si on m'en propose un, mais de moi-même, je ne pense pas. Enfin, à voir, mais je ne pense pas. Lâchez des likes quand même, même si la pioche n'a pas été terrible, mais bon, ça me remontera toujours le moral. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, ciao!